Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour partager avec vous cette folle envie de vivre que j'ai maintenant, cette furieuse envie d'être là. C'est ça qui m'a donné la force de sortir des médicaments, la force de sortir du sevrage. Donc voilà, j'avais envie de vous donner cette force, de vous la transmettre maintenant. Ces jours, je reçois un peu des signes, comme on pourrait dire. Je fais un peu de développement personnel en faisant le défi des 100 jours de Lilou. Et puis, je reçois des signes, je vois un petit peu partout et j'entends un petit peu partout « La vie est belle ». Donc, j'avais envie de vous transmettre ça, cette vision d'une belle vie. C'est vrai que quand on est au fond du trou avec les médicaments, quand on est en sevrage et que c'est difficile, on ne voit plus cette beauté, on ne voit plus la beauté de la vie. Mais je vous promets, elle existe. Je l'ai trouvée, je l'ai découverte en moi pendant que j'étais dans le sevrage, parce que je ne la voyais pas du tout autour de moi, je ne la voyais pas dans ce que je vivais. Mais en moi, j'avais cette flamme qui me disait « La vie est belle, continue, te laisse pas avoir par tout ce qui est noir, tout ce qui te pèse maintenant. » Maintenant, tu n'as plus rien, tu es au fond, tout autour de toi, tout s'effondre, tout est vide, mais en toi, tu as cette force de vie, tu as envie de vivre, tu as envie de vivre une belle vie. Et accroche-toi à ça, ça va aller. Et maintenant que je suis sortie, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté les médicaments, je vois la beauté de cette vie. Je vois cette étincelle que j'avais aperçue quand j'étais sous médicaments, en sevrage, cette étincelle de vie et de beauté de la vie, je la vois pleinement maintenant. Maintenant que j'ai pu mettre ça derrière moi. Mais j'ai dû m'y accrocher à cette flamme de vie. J'ai dû vraiment m'y accrocher pendant des années. Je sais que quand on est en sevrage, quand on est en train de prendre des médicaments, souvent cette flamme, on a l'impression qu'elle n'existe pas, cette flamme de vie, cette beauté de la vie. Mais je vous assure qu'elle existe. Allez la chercher en vous, puisez dans cette force, dans cette intensité intérieure, dans cette envie de vivre, dans cette furieuse envie de vivre, pour vous sortir de tout ça. La vie est belle.